Yo les gens, c'est Aura, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est sur l'épisode 7 de Far Cry 4. Alors donc, cet épisode, on s'est attaqué? Non. Donc dans cet épisode, c'est très simple, on va aller prendre ça, ce clocher. Puis, on va aller... Non, hauteur... Non, on va prendre... On va se TP là. On va prendre ce clocher. Cet avant-poste et cet avant-poste. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Donc on m'a beaucoup demandé de faire les avant-postes. D'abord faire les avant-postes et puis après faire la quête d'histoire. Donc voilà. On m'a proposé ça. Donc ben, ce que c'est, c'est que je vais le faire. Donc on va prendre. Voilà. Arme. De... Ouais, arme plutôt. Le M7, on va prendre le M700. Ouais, donc c'est là, c'est bon. Et ensuite, arme de poing. Celui-là a l'air sympa en fait. C'est quoi de... Je vais essayer vite fait. On peut pas l'améliorer. Ah, c'est dommage, j'ai l'air stylé. Bon, on va prendre l'arme spéciale et on va reprendre le dard. Arme qui est vraiment stylée. On va vendre l'argent. Vendre l'argent. Vendre les... Pots de... Vous récupérez son... Voilà, vous pouvez ni la vendre ni la jeter. Bon, c'est bon alors. Je serais pas tenté de la vendre. Alors, eh bien, on va aller prendre la tour. Il y a coffre ici. Non, c'était pas là que je voulais aller. Alors, donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode 6, mais AJ, avec ton âge, s'il te plaît. Alors, l'épisode qui avait duré une demi-heure, que j'ai galéré à upload, mais bon, c'est pas un problème. On l'utiliserait pas la wingsuit. Hop, allez, on va aller chercher ça. On va faire deux avant-postes. Et puis voilà. Donc ça c'est le planning de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, sincèrement. Hein. Donc j'aimerais bien lancer un deuxième let's play en parallèle. Donc je vais faire un vote. Ben, vous me dites ce que vous préférez. Donc soit Far Cry 3. Soit le Assassin's Creed 1. Si c'est Assassin's Creed 1, je préférerais tous les faire les... Non, c'était pas... Je voulais pas vous taper. Voilà, t'es foutu. Hop. Bon, c'est fait descendre, c'est bon. Donc ce serait Assassin's Creed 1, puis tout l'Assassin's Creed, parce que je compterais faire toute la licence. Ou bien Far Cry. Donc voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors par contre, l'histoire de Far Cry 4, elle est... Comment dire? Elle est très courte, dans le fond. Donc, par contre, on va couper par là. Elle est très courte l'histoire, donc c'est pour ça qu'en fait je fais des avant-postes, etc. pour faire plus d'épisodes, comme ça ben, vous aurez plus de contenu. C'est pour ça en fait que je fais ça. Regardez, donc si on fait la quête de Badra, on a encore 6-7 quêtes et puis c'est fini, je pense. Donc, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est. Oui, là, si on fait la quête de Sabal et de Badra. Il restera 7 trucs comme ça et puis après c'est fini, donc c'est pour ça. T'as mis les missions de campagne pour accéder au nord du Kirat, ben, c'est bien. Donc il va falloir que je fasse des... Ben, tout dangereux, c'est pas grave, c'est pas un problème ça. Je sais qu'il y a une forteresse à côté, mais... Pont du roi. Je suis en train de passer, mais en mode... Ok, d'accord. Ah, c'est une forteresse. On va revoir. J'ai envie de me lancer un défi. Oh, il y a un mortier. J'ai envie de tenter un truc. Très sincèrement, j'ai vraiment envie de tenter un truc. Sortez des limites. Bon, et ben on peut pas. Et ben on va changer de programme. On va aller faire la quête de Badra. Parce qu'on peut pas y accéder parce qu'il y a une forteresse juste là. Juste ben, ici en fait. C'est gardé ici. Donc ben, on va faire la quête de Badra qui se trouve. Donc on a Saval et on a Badra. Bon, on va aller la faire. Bon, ben désolé. On va devoir faire la quête principale pour pouvoir aller chercher les trucs. Et puis comme ça on pourra débloquer, ah oui on pourra débloquer d'autres armes aussi si on avance.
dans l'histoire. On va pouvoir sortir. Cependant, on n'a pas été à Banapour. Il n'y a pas eu de changement? Non. Bon, on va aller faire la quête de Badra. On va essayer d'utiliser la wingsuit correctement. Sans se prendre d'arbres. Ok, bon. J'ai foncé en plein dedans. Alors, par contre, les forteresses ou les trucs comme ça gardés, ça évite pas. Hein. Sérieux, ça... Ça pardonne pas. Hein. Ok, d'accord. Je me prends avant par la propre wingsuit. On peut même pas l'utiliser. Ah si, c'est bon. Alors j'ai un peu de hauteur, donc je pense que c'est bon. Alors par contre, quand il n'y a pas d'action dans les épisodes, sincèrement, c'est vraiment calme. Ce jeu, dans le fond, est calme, mais faut pas faire chier les... au niveau des emplois, etc. On va redresser. Redressons. Parachute. Allez, allez. Voilà. Donc leur rituel, c'est de brûler les gens, de brûler les cadavres, d'accord. Bon, cinématique, je pense bien. Bah, je coupe le micro. Tu viens pour consoler les familles? C'est dingue. Tu vois, j'ai jamais vu une chose pareille. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un balader les cendres de sa mère. Tu crois que... l'enterrement de mon père ressemblait à ça? J'étais trop jeune. Mais je sais que sa mort a brisé le sentier d'or. Ah, regardez-moi ses yeux et ses cheveux. C'est magnifique. Mais c'est pas le cas. On l'a assassiné. Assassiné? Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est qu'il a été tué dans sa maison, à l'est de Banapour. Elle existe toujours. Peut-être que tu devrais aller là-bas pour en savoir plus. Mais fais attention. La zone est dirigée par Nour maintenant. Je dois y aller. Ok, bon. Et bon, on va en savoir plus sur notre père. Alors, bon. Eh bien, déjà, il y a un livre de Moine Gale. On va voir le coffre. Et le coffre. Voilà. Excusez-moi. Hop. Donc, il y a un truc... Le Y c'est Yuma je crois. Ah non, Yogi et Régi. Alors ok, et il y a... Sa balle elle est où sa mission? Elle est ici. On va aller voir Yogi et Régi. On va aller les voir. Je sais pas du tout qui c'est. Bah qui ils sont parce qu'il y a deux personnes. On va vendre. Hop, voilà. Alors, parce qu'en fait j'ai envie d'acheter ma... mon arme quoi. J'ai vraiment envie. Je dois essayer de monter niveau 6 en karma, ce qui est compliqué, mais tout ce qui est long. Bon, par contre. Allez. On va voir Yogi et Régi. Qui sont ici. Bon ça c'est pas loin. 500 mètres. Alors aujourd'hui c'est de l'histoire. D'accord. On sait que c'était Yuma parce que Yuma il a une forteresse. Où est la forteresse, je sais pas du tout. Bon, je me marque. Ah, c'est calme sur les routes. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, allez. Alors, 300 mètres. Regardez-moi cette conduite fluide. Je passe trop sur des sentiers où normalement c'est à pied. Oh, je crois que j'ai déjà vu ici. Non, 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 ok, bon, je suis mort. Ok, d'accord, je suis pas mort. Ah si, je suis mort. Bon, à vouloir faire le show, on brûle. Alors on va aller voir Yogi Régi. Allez, allez, on y va à pied cette fois-ci. J'ai enfin des seringues. C'est bien. Vous subissez le double dégâts, ça sert à rien. Propriété des Gale. Ah, c'est notre maison.
Elle est stylée, elle est gigantesque. Sérieux? Attends, y'a un coffre ici. Elle est trop bien placée. On a débloqué un point pour se TP. Allez, je coule le micro. Non, faut être généreux. Faut faire voler une tonne de peu. Quoi? Comme un vrai gros bond? Oui. Oh merde. Oh non, c'est bon, non, c'est bon, non, c'est bon. Oh non, c'est bon, c'est bon. Bienvenue, mon frère. T'es dans un havre de paix. Où les démons de la vie moderne ne peuvent pas t'atteindre. Crains rien. Notre ami, oh non, Shiva, oh non, Shiva, il nous vient de très loin, en quête de réponse. Nous pouvons les lui donner. Pour une somme modique. Oui, tout a un prix dans la vie. Oui. Je sens... Nous sentons que tu veux savoir qui nous sommes. Bien, je suis Yogi, et voici Reggie. Mais toi, étranger, toi! T'es le fils d'une légende! Je vois un monde dangereux et une mer au cœur entaché. Et Jigail, oh, bienvenue au Guru Ashram. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de mes parents, là. Si vous dégagez. Oh hein? Pourquoi il veut qu'on s'en aille? Je ne sais rien, demande. T'as qu'à le faire. Oh, je suis là. Oh, il est juste là. Tant mieux pour lui, il sait où il est. Ok, bienvenue, entre donc. Oui, je t'en prie, c'est vraiment comme chez toi. On nettoie. On sera parti dans 5 minutes. Mais d'abord, un petit calumet de la paix. Ils sont sérieux avec leur bang. Ils sont sérieux. Non, merci, vraiment, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Jay, nous représentons les intérêts d'une femme de grande influence. Ouais, elle serait ravie de te voir en chair et en os pour un pot d'accueil. T'es le hors-d'œuvre. Voilà, c'était la carotte. Bon bah alors, le bâton. Pourquoi m'ont drogué? J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. On nous a montré un bang. On nous a drogué. Et où on est? Il y a une femme à poil. À demi-walpé. Et je suis un esclave. Enfin, deux femmes à demi-walpé. On se demande. Ah, c'est peut-être la reine! Ah oui, c'est la reine! Faut se battre dedans. Fils du terroriste Mohan Gay, recherché par l'armée royale. Ah, c'est bon, ça va. Bon, je coupe le micro. Cincinnati. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est le moment de le prouver. Regarde à tes pieds quand tu seras dans l'arène. Il y aura une lame cachée dans le sable. Si tu ne survis pas, il n'y a plus aucun espoir pour nous deux. Oh, Dieu. Bienvenue dans l'arène de Shalon. Pourquoi on me balance par terre? Bon, alors. Un peu de la survie, je crois qu'on a walpé en plus. Est-ce qu'on a walpé?
qu'on a walpé? On peut avoir mon pied. Ouais. Alors. Hop, alors j'ai deux balles. Putain, c'est... Il y a vraiment pas de balles. Ok, donc j'ai pas mon couteau. Crève. Alors je suis à poil, mais j'ai un briquet. Oh, des munitions. Ah, viens là. Des trucs comme ça, je suis pas mal le... Ah, des mines. Oh, c'est beau de finir sur une exec. Allez. Alors, je crois qu'il faut atteindre dimanche, du genre, pour débloquer une arme. Les mecs avec des arcs. Laisse de buter le tigre. Sérieux? Viens là mon gros. C'est pas un tigre, c'est un jaguar. Crève. Voilà. Alors? Suivant. Allez, on tient le plus longtemps possible là. On peut faire un massive XP ici. Hein. Comment qu'on nous dit ça? Les attire. Alors, allez, suivant. Ah, c'est trop bien sérieux ça. Eh, je m'amuse en sérieux. Franchement. Mission. J'ai encore des manches, hein. C'est trop bien ça. L'avant-dernière manche. Moins de mine. Une dernière épreuve l'attend. Allez. Pas contre un éléphant quand même. Pas contre un éléphant, s'il vous plaît. Non. T'as quand tu t'y prends ou pas? Ouais, peut-être. What? Eh, ils vont en sniper, lance roquette.
Il est où le gros? Le gros il est où? Eh non mais par contre sérieux. Oh il est juste là. Charger le pompe. Contre les points de compétence, hein, franchement, ça aide vraiment. Et boum. Alors c'était tendu la dernière manche, par contre, hein, sérieux. Alors je crois qu'il faut atteindre 10 manches tout du genre pour débloquer une certaine arme signature. Ça peut être bien. Ça sérieusement ça pourrait être trop bien. Alors. Ah je peux me rhabiller. Merci. Marchons un peu. Vous vouliez me tuer. Mais plus maintenant. Allez vous faire merde. Stop. T'as voulu me tuer? Attendez. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Paul a enlevé ma famille. Elle est en danger, je suis piégée. Je dois faire tout ce que Pagan me demande de faire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Le Sentier d'Or veut la mort de Paul. Et il faut que je sauve ma famille. On peut s'entraider. Comment? Tu sais, je peux t'amener jusqu'à lui. Et AJ, n'en veux pas trop à Reggie et Yogi. Ils sont manipulés, comme toi et moi. D'accord, donc en fait on en sait beaucoup plus. Arène. Êtes-vous prêt à pénétrer dans l'arène de Shannat? Suivez, devenez un héros acclamé de tous ou mourrez comme un lâche. Trois différents types de défis vous attendent, des combats en un mode infini, des défis d'armes. Hissez vous rendre compte, champion légendaire, apporter des prestigieuses récompenses. Eh ben, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire quelle heure il est, j'ai envie de faire si on peut faire un truc. Allez, j'ai envie de faire. Allez, j'ai peut-être le temps d'en faire une, pour éviter qu'en fait, c'est pas pour l'heure, c'est juste pour la vidéo soit pas trop longue. Pas d'alliance des équipes, profitez d'un processus. Ok, bon, on va faire ça. Allez, on va essayer. On va vraiment essayer, puis on va se laisser là, jusqu'à ce que je meure. Trois manches. Oh, j'ai flippé. Le mec qui arrivait comme ça, en mode coucou sur un TVM2. Les points d'XP maintenant, c'est des points d'arène. Hop. Une exec, c'est combien de points, tiens? On va soigner vite fait. Hop. Ah punaise. Les deux jaguars qui m'aggro. Bon, et ben voilà. On va se laisser là. Sur sur le menu. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben likez, partagez, abonnez-vous. Et puis allez, à plus les gens, et j'espère que vous aimez.